Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre petite bataille face au char de Légion. Lui on a réussi à éliminer ses canons, ses couilles, il y a encore celui-là qui peut être dangereux. J'ai commencé à rapatrier du renfort. Toi tu viens là, tu vas récupérer de la troupe. Là on va laisser les sauts ici. Escouade d'armes lourdes, monter dans ce MV et on va ramener du monde. Est-ce qu'il y a des zones de danger ailleurs? On va faire un petit tour vite fait. Non, non, ça a l'air clean. Donc là, il nous a envoyé ses rangers par hélicoptère, visiblement. Ils sont en train de se poser dans les bâtiments, donc c'est plutôt cool. Il y a une zone de danger là, ok, qu'on connaît. Non, celle-là, on la connaît pas. Il y a une zone de danger ici. Et une zone de danger là. Et à l'arrière, ça a l'air d'être clean pour le moment. Ok, donc il faut qu'on élimine cette menace là, qui est assez énervée. Au sol, vous. Le canon est détruit, c'est excellent. Ok, parfait. Bon. En position, on va faire ça un peu plus propre. Ici, on a pu mettre du monde. Parfait. Ici, on a du SAM. Ici on a du SAM, de la TGM, là du coup, ils sont en train de se déplacer avec le sans recul, on a beaucoup trop de SAM ici, vous et vous, là-dedans. J'ai envoyé le Sherman et compagnie s'occuper de la zone là-bas, ça c'est pareil, c'est du sans recul, donc on va l'envoyer là-bas, hop. Ici on a rechargé comme on pouvait, on va les envoyer jusqu'ici. Oh, t'as un système d'artillerie mobile là, tu peux rester là. Du coup, on va récupérer les tourelles également. Ici, on peut reprendre ce véhicule. Là, ça brûle toujours, mais faut qu'on s'éloigne avec ça du coup. Vous, toi, récupère ça. Ok, ça ressort de nouveau, mais c'est de la petite merde. Enfin, façon de parler, de la meute de loup. Aïe, les renforts arrivent. Toi, tu vas te poser là-haut. Toi, tu vas te poser là. Toi, tu vas te poser là-haut. Toi, tu vas te poser là-haut également. Vous, du coup, vous pouvez retourner protéger la zone par là-bas. De préférence. Frag. Mitrailleuse à plasma. Mitrailleuse à plasma. De la frag. Le Bradley, il est vide. Toi, tu vas te mettre un peu plus caché, on va dire. Toi, va poser ta tourelle ici, des fois qu'il me pond un truc. Ok, là, du coup, c'est réparé. Enfin, c'est plus en flamme. Vas-y, c'est de l'artillerie, envoie-le là-bas. Pas trop l'exposer. Tac, tac, tac. Ici, on est plein. Je vais venir jusqu'ici, j'aimerais déposer une escouade d'ATGM et de SAM ici. Ensuite, ouf. C'est du sans recul. Pareil, tu vas venir là. Le véhicule de transport. Les tourelles lourdes en position ici. En position ici, la dernière. En position ici, voilà, excellent. Là, on tient la zone, je suis pas trop inquiet, sauf s'il y a vraiment une énorme contre-attaque de Fifou. Vous, avec vos sauts, vous seriez pas mal dans un bâtiment qui a vu sur le... sur la zone, là. Go. Alors, oula, il y a du monde, là. Donc là, ils nous ont sorti un aéronef, ok. Une plateforme de transport, de la troupaille. On dirait que ça y est, hein, ils génèrent plus de troupes. Ils génèrent plus de troupes. Pourquoi on va aussi loin?
Ah parce que si on a des petits homonculés alliés encore qui traînent partout. Hein. Excellent. Donc il s'est fait éclater. Ouh, il est pas tombé loin de notre véhicule. Deux plateformes d'appui de feu ici. Qu'est-ce qui tire comme ça? Ok, il y a un des trucs qui sont sortis et qui nous allument. Oh, des F6. Parfait. Un petit coup de fumée. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de la fumée. Increasing the network noise level to mess with Legion's ability to connect between base modules. The more noise we make, the weaker the connections. And bonus, machines will start to go haywire, have their friendlies recognition systems glitch, have issues with behavior and pathfinding logic. The base's security system will toggle on and off randomly, turret controls will bug out. It's gonna be great. As long as it gives us any kind of edge over Legion. Can't say it's gonna happen en masse, but we'll definitely see some isolated glitches. Parfait. Bon, toi, du coup, recule parce que tu t'es un petit peu mis n'importe comment là. Alors. On a posé notre artillerie. C'est quoi son angle de tir? C'est pas mal. Toi, tu vas aller par ici. Voilà, ok. On va pouvoir avancer. Nos lignes de tourelles sont par là. Tout bien, on va avancer un peu toi et toi. Toi, t'es bien placé. Alors là, il y a un truc qui nous tire dessus. Qu'est-ce que c'est? La tourelle? Châssis endommagé. C'est quoi qui nous tire dessus? Ah, ça doit être la tourelle d'appui de feu qui a balancé une rafale au passage. Très bien. Ça, c'est quoi? Ah, c'est les squats de commande. C'est qui ce mec debout au milieu de nulle part? Bon, là, nos alliés font le taf. On a réussi à se les faire, là, ça c'est parfait. Il faudrait qu'on avance Chobi Snippy. Chobi, t'es où Chobi? T'as déjà avancé Chobi. Ah oui, c'est vrai, je t'avais envoyé là et du coup maintenant t'es à poil. Viens donc par là. Non, d'ailleurs, vous serez mieux placé ici. Non, même ici, parce que si on vous met trop proche, vous allez être isolé s'il y a des trucs qui sortent. Non, vous réparez. Pour être mieux à même de tirer, vous pouvez pas réparer plus. Là du coup, débarquez vos troupes là, vous. Débarquez vos troupes là. Il y a du peuple là. Ah, il tire sur leur copain, excellent. Notre véhicule, il est un peu trop avancé lui. Viens là plutôt. Ce sera mieux. Ok. Ah merde, on est plein là. On est à 11 sur 56. Vous n'êtes pas encore sorti. Non, c'est parce que j'ai sélectionné le MV. Ok. Ah, ils nous ont sorti du monde. Parfait. Vous, là-dedans. Non, d'ailleurs, même vous allez. J'attends qu'ils ressortent. On a perdu du monde. Ouh, c'est quoi ce truc là? Ah la vache! Ça marche toujours ça? Oh putain. Tire-toi! Tire-toi! Ah, il nous poursuit! L'enfoiré! Ok, viens te mettre à l'abri par là. Toi, t'as le temps de te pointer par ici. Ok, bon. Ça continue de nous sortir des tanks, du coup. Je m'y attendais pas, j'avoue. Je pensais que c'était vraiment désactivé. Ici, on commence à voir pas mal mitiger l'assaut. On a même encore des petites unités alliées qui nous aident. On a le temps de réparer un coup. Il y a quoi qui est sorti, là? Non, c'est une tourelle, ça, ok. On répare, vous allez vous poser par ici avec votre sang recul. Lui s'est replié, mais normalement, ouais, on n'a pas une...
Dans grosse zone de tir, on va se planquer derrière le Bradley. Hein. D'autres saloperies qui sortent et vu les... Ouais, c'est du... On va réparer hein, avec ce qu'on a. Là, on est en train de réparer. Du coup là, on a quand même nos petits homoncules qui tracent la route. Putain, l'esquive qu'ils ont les machins quoi. Ils se précipitent au milieu des tirs, ils en ont rien à branler. Alors là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il nous reste pour défendre sur ce flanc du coup? Là, il nous reste de la TGM quand même. Pas si dégueulasse. Bon, par contre, eux. On va peut-être garder du coup du monde par là. On va ramener le Sherman. Je pense que c'est le plus à même de se faire un. Un char seul et efficacement. Et du coup, bah vous là, plutôt par là. Finalement. Je suis d'accord, Légion va commencer à faire n'importe quoi. Voilà, ça y est, c'est aux portées de nos ATGM. Allez, chaque coup compte là. Canon détruit, excellent. Il nous a sorti un char. Au sol, vous. Installez-moi votre canon. Bon, il y a eux qui y vont. Où est-ce qu'il va le char? Ok, il y a les meutes de loup qui les occupent. D'autres trucs, ouais, les snipers qui les. Snipers laser là qui attaquent le char, quoi, ils ont pas peur. On a un petit peu d'artillerie dans le coin également. Ah, on a vu quelque chose, j'ai vu qu'il se tournait. Non, ça va. Ici, le char, il va agressif. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait pour se le faire, là? On a les tanks. Toi aussi. Avec tes AP. Ok, 100%, parfait. Vas-y Légion, défais-nous. Fais ce que t'as à faire, Légion. Allez, bah, vous voyez, il y avait quelqu'un qui se posait la question, est-ce qu'on peut tirer vers le bas avec les tanks? Et du coup, en toute logique, on ne pouvait pas. Et visiblement, c'est géré, on ne peut effectivement pas. Par contre, toi, tu devrais pouvoir tirer avec ça, attendez. Avancer jusqu'au contact, attaquer avec toutes les armes. Rien à branler, si tu peux pas lui faire de dégâts, tire dessus. Ok, peut-être pas. Putain, ils sont partis où les autres? Le Bradley et l'autre Abraham, s'il est où? Il est là. Comment on va pouvoir se gérer celui-là? On a eux là, il nous reste un swo. Ah, c'est pas grand chose, mais essayer de se placer quand même. On va faire le plein dans un véhicule. It thinks it's smarter and stronger than us, but it's a machine. And it will always predictably think like a machine. C-Force, the founder's command. We've taken the manufacturing. Ok, bon, bah c'est plutôt une réussite quand même. That base is wide open to attack now. Think we're gonna take your word for anything, Church. After the way you lost us to Haven Base. Listen to me. That factory's offline. It can't provide reinforcements. This is the best chance you'll ever have to take it. Who are you really working for, Church? You were out there alone in the field a long time. How do we know you didn't turn traitor on us? And that this isn't all a trap? Lieutenant, this is Founder Command Actual. Disregard that last comment.
Are you sure that factory is offline? Yes, sir. But it's not going to stay that way for long. Then I'm ordering a full assault on the base. All Founder's forces are to go on the attack immediately. Sir, this is a mistake. Lieutenant Church is a deserter and a traitor. Let me deal with him as he deserves. Stand down, General. That's an order. Church, I want to hear your version of events. You've left me no other choice. I'm taking this to the Central Council. They'll decide what to do with this deserter. Very well. We'll assemble the council. Right now, though, my order still stands. We're taking that Legion base. Parfait, c'est parti. Dépouillez-moi ça. Alors du coup, on a plus de taux. Toi, faut que t'avances. Il reste encore quand même pas mal d'AP. Lieutenant, I countermanded the orders to bring you in. Come in on your own, and I'll listen to what you have to say about the actions of you and your force and what happened at Haven. All our units have orders to let you freely pass. Okay, let's get to that command center when we're ready. Ok, on peut sortir. Bon, faut juste éliminer ça du coup, puis ça serait bien. On peut pas tirer avec leur canon. Parce qu'ils sont que deux, donc on a plus le canon, c'est ça? C'est très con ça. Bon, alors du coup, tout est désactivé, il va falloir qu'on arrive par derrière, j'ai l'impression, parce que ça va être galère sinon. Faut me virer ça, là. Pareil, le Bradley Bob le Grand en avant. On avait... un petit canon plasma, non? Voilà, toi. Go, tout le monde sur sa tronche, là. On a l'air désactivé, il nous tire plus dessus, cela dit, mais... Ok, on va reculer avec tout le monde, pas la peine d'utiliser des munitions pour ça. On va laisser les trucs lourds s'en occuper par acquis de conscience. Voilà. Bim, dans les fesses. Ah, il commence à y avoir des petits mecs en jaune un peu partout. Parfait. Ok, ça c'est fait. Parfait, parfait, parfait. Bon bah, on va pouvoir se faire une grosse session loot encore. Alors, là on a quoi? La mitrailleuse M134. Ça c'est les Terminators, ça. Les RF6. Hein. Bien. Vous... allez me ramasser ça. Vous, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez prendre dans le coin? Là-haut. Eux, ils sont déjà au M99, donc éventuellement il faudra du laser pour améliorer ça, mais on en a pas, je pense, non. Ici. Ils sont M99, nos snipers. Laser M99, donc c'est nickel. M99, mais l'autre c'est du 2010, mais c'est celui, c'est le mauvais qui le porte, donc ok, très bien. Vous, vous reprenez le Bradley du coup. Il nous faudra un truc qui peut tirer un véhicule. Tiens toi, TRMV, viens là. Ça c'est vide de chez vide, on l'a exploité jusqu'au bout. Ça aussi, on va replier du coup. Là, c'était la petite Jeep qui s'est enfuie tant bien que mal. Ici, ils sont déjà en M99. Je regarde un petit peu hein, s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Tout ça c'est quoi? C'est des SWAT. Ouais, c'est des SWAT. C'est des sous. Alors, nos escouades, Malboom. T'es où? T'es là. Vas-y. Venez ici. Vous êtes au RPG aussi. Go, en avant. Ici, il nous reste un petit véhicule. On va aller récupérer
ce véhicule-là. L'objectif, c'est clairement de récupérer tout ce qui traîne. Hein. Quitte à le vendre après. Alors là, qui est le plus proche hein? Je pense que ça va être Shobby Snipey les plus proches. Non, pas. C'est Mitrasma. En avant, Mitrasma, chopez-moi ce truc. Alors, est-ce que tu peux ramasser un sou? Non, c'est le même qui prend. Ok, du coup, vous, vous allez me conduire ce truc-là. Là, on récupère ça. Là, on replie. Alors, on a des véhicules là qui vont potentiellement plus avoir de... de carburant. Normalement on a du striker dans le coin. Oui, j'avais déjà mis mon infanterie dans un striker pour qu'elle se recharge. Hop, allons-y, on charge, on charge. Là, on répare. S'il n'y a rien, c'est côté, Légion, il n'y a pas de raison qu'il y ait du véhicule côté Légion. Tac, tac, tac. Eux, ils peuvent prendre ce truc-là, hein, mais ils ont déjà... il nous faudrait Brouillard, hein, Brouillard. Brouillard, c'est vous. Gun. Ouais. Est-ce que c'est mieux qu'une M134? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc bah du coup, pour l'instant, on va pas le prendre. Toi, tu peux pas rouler. Répare. Toi, tu peux rouler, mais un peu moins bien. Là, on va réparer. Toi, tu peux pas tirer. Là, on répare. Là, on répare. Là, on peut pas réparer plus. Là, on répare. Là, on peut pas réparer plus. Sur le 1. Ici, on peut pas réparer plus. Et là... on répare. Ok. Ok, 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 ok. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fusil de précision à la con. Les fusils de précision à la con, on s'en fout. Globalement, je pense que les seuls trucs que les homoncules y laissent derrière eux qui sont intéressants, c'est les... c'est les SWO. Les lance-roquettes. Et vu que bah on en a pas trop, c'est pas hyper intéressant à récupérer. Ça c'est un allié, c'est pas nous. Vous, vous pouvez remballer et sortir de là. Hop, dehors, dehors. Il y a un autre truc, je crois, à un autre véhicule à récupérer ici. Vas-y, cours jusque là. Là, il y a peut-être des armes intéressantes, là. Parmi les trucs des fondateurs. Du SWO. Un fusil de précision Barrett. Un SWO. Une M240. Ah, bah. M240. Du 2010, c'est nul. Un lance-grenade M32 pour les Rangers, c'est déjà ce qu'on a. Ouais, on va pas se faire chier à amener tous ceux qui ont des sous ici pour récupérer 2-3 munitions. Ça le fera. Ici, il y a une escouade de Rangers qui a dû mourir. Là, ils ont préparé tout ce qu'ils pouvaient. Et il y avait le... là on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer pour le, les artilleurs là, ouais c'était ici. Tout le reste est en flammes. Ouais, ils peuvent aller chercher du SWO mais ils sont pleins. Vous avez déjà du M99. Donc pas la peine de s'embêter. Ici on a récupéré toutes nos troupes dans des véhicules. Bon bah en avant. Vers la sortie.
Le Bradley, on va l'utiliser pour transporter quelques troupes, tant qu'à faire. Allez hop. C'est pas un Bradley ça? Ah si, mais c'est un Bradley d'un... de type pas à nous. Ici, il faut raccrocher les trucs. Là, on a déjà raccroché, parfait. En avant, par là-bas. Par là-bas. Par là-bas. C'est parti. Alors, on va certainement devoir balader un peu notre véhicule de carburant pour aller permettre à des gens d'arriver à la sortie. N'est-ce pas? Là, on a pris tout le monde. En route. Ouais, je t'ai pas donné d'ordre. Bah go. Ici. Alors on peut mettre déjà l'escouade en clichard dans ce MV. Voilà. Là, on a récupéré ce truc là. Il n'a plus de munitions, mais il peut rouler. Vous deux. En route. Toi, en route. Le Sherman, il peut porter personne, donc go. Oh bah toi t'as qu'à rentrer là-dedans du coup. Ça, ça fait pile 11. Le camion de ravitaillement en route, puis bah les autres ils vont y aller à pied, tant pis. C'est parti les gars. Sortez vos petits pieds. Et on est en partie. Ici. On va garder le camion de ravitaillement dans un coin. Vous, vous êtes 4. Ah oui. Là, est-ce que du coup je pourrais prendre un SWO? Yes, excellent. On est passé en double SWO là. Ça, c'est bon. Route les gars. On va juste garder lui. Le tank éventuellement... Pourquoi il y a un mec rouge là? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas où il est, il devait être dans un véhicule je pense, il va s'arrêter pour sortir. Vous, pareil, vous pouvez vous relever. Arrête-toi toi, ramasse-les. Tu peux où le deuxième? Arrête, c'est... non, c'est pas là. Le deuxième. Ah, il est là. Il y avait ceux qui étaient dans ce bâtiment aussi. Ils peuvent se tirer. Vous, c'est réparé au maximum. Donc en avant. Là, en avant. Les petites hardarins là qui courent. Shobby Snippy, on va pas les oublier quand même. On dirait que tous nos véhicules ont eu assez de carburant. On va aller poser lui là-bas pour qu'il refasse le plein de ce qui n'est pas déjà sorti. Parce qu'il y en a qui sortent du coup direct. Ah bah ils sont là, Hardar. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Ce qui comptait surtout c'était les véhicules, ceux qu'on peut revendre. Après s'il y a... 2-3 lance-roquettes qui traînent, on fera avec. On peut faire avec ce genre de perte, ça va. Toi, viens là. Ou ici, comme tu préfères. Allez, les Malbooms là, on va les poser au centre. On va les déployer. On va faire un petit plein. Voilà. L'infanterie, elle peut sortir. Voilà, petite session de remplissage de carburant. Tout le monde a réussi finalement à atteindre la zone sans tomber en panne. C'est parfait. Et ici ils ont carrément disparu les machins. Le ravitaillement. Parfait ce déploiement, parfait, parfait.
Ça y est, allez. Hop. On est parti. Pas de regrets, ils ont pas abandonné leur M109. Franchement, je suis assez content de cette mission. Alors, elle était hyper longue, mais on s'en est vraiment bien tiré. On va voir un petit peu comment ça se passe avec le commandement. Est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir? On a perdu 30 soldats et 7 véhicules, c'est franchement cool. Je crois qu'il n'y a aucune unité qui a été wipe cette fois. Donc on va pouvoir recharger tout le monde. Par contre, si on garde toutes nos troupes, il va nous falloir un apport en ressources. Hein, parce que ça va commencer à coûter cher. Hein. Tous les Abrams, tous les Rangers qu'on a récupérés, toute l'infanterie qu'on a récupérée, c'est la touffe. Hein. General, sir, Lieutenant Alex Church of T-Force reporting. Enjoy that rank while you can, deserter. Par lui, il nous aime pas. Hein. Much longer. We'll come to our decision after we've heard the evidence, General. Not before. Can't believe we're even giving this traitor a hearing. I'm now calling this Central Council meeting to order. Lieutenant Church, can we begin with your version of events? Why? Captain Blair already told us about this coward's failings at Haven Base. I've read the captain's report. Now I'd like to hear the lieutenant's. Certainly, ma'am. After arriving at Haven, I was assigned to one of the Rio Grande posts. This was my first combat posting. Ok, ils nous font pas tout le racontard, c'est déjà ça. 30 minutes plus tard. So now we need to find out why Legion is taking so many prisoners, and we need to find and free Major Stevens. Stop using a good officer's name as an excuse for your dereliction of duty, Church. You said he was supposed to have been taken to Oklahoma. Have we found any sign of him there? All we've found there so far are bodies. We're having trouble IDing them. They've all been skinned. What? Horrible as it is, this at least confirms the lieutenant's story that Legion is now taking living prisoners. Do we know why Legion's changed tactics? We've only been able to retrieve fragments of data from the servers at the captured base. But they confirmed the lieutenant's report about Legion convoys being used to transport prisoners. Who cares? None of this negates the fact that this deserter is responsible for what happened to Haven Base. We'll get to that, General. Right now, I want to hear more about these prisoner convoys. We think the bodies found here are those who died during convoy transportation. Although we don't know why they've been skinned. As far as we can tell, the convoy's ultimate destination is a Legion research lab at Fort Worth. I know that place. Before the war, it was one of our medical research facilities. Then that's where we gotta hit him next. There's still the matter of the verdict of this council, Lieutenant. The information you've uncovered about these convoys is extremely troubling, and puts the events at Haven in a new light. Sir, I protest. Captain Blair's testimony makes it clear that— Thank you, General. We're quite aware of the captain's testimony and his relationship with you, General Blair. That has nothing to do with it. So what we need here, then, is the testimony of Major Stevens himself. If what the lieutenant says is true, then he may be alive at Fort Worth, and that place might also have the answer to the questions about these prisoner convoys. Therefore, Lieutenant Church, I am recommending— You cannot be serious. He's a coward and a deserter. I am recommending that the charges against you be suspended until more evidence is available. Ah, c'est pour ça, c'est son fils, c'est pour ça qu'il veut pas lâcher. Ok, bon bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour papoter avec le monsieur. Allez profiter peut-être du camp des fondateurs. Non, il faut un jour pour y aller, on a déjà pas ce qu'il faut. On va tout de suite papoter avec lui, on va voir du coup s'il nous donne pas un peu de ressources pour bouger. He's always been a pain in the ass. Ah, c'est pas son fils, c'est son neveu. Is any different. I'm glad you agree on the importance of the intel about these convoys, sir. Are we going to make Fort Worth base a priority target now? No, son. We're not. Sir? You know how many priority targets we already have? You know how few forces we have to do anything about them? We need to pick our targets with care, son. And there's just not enough good intel available on this to let me make that call. But, sir... Your T-Force is composed of squads that were long ago written off as lost. And new ones you picked up that we don't even know about. Officially, your force doesn't even exist. I can't give any Fort Worth mission to a unit already committed elsewhere. But you can to one that officially doesn't even exist. It's your choice, son. You can rejoin the Founders and be assigned to a new unit, or you can stay off the records and go find and rescue Major Stevens. The bounty on me and my troops? Already struck from the record.
So what's your decision? I think you know, sir. Didn't doubt it, son. I'm giving you command of those Haven base units. Oh, qu'on puisse choisir et mettre fin à la campagne là. And some tech specialists you might find useful. Any supply needs? Talk to our logistics people. Any questions? No? Good. Dismissed. Sir, yes, sir. Ok, parfait. Bon, bah, du coup, on va probablement pouvoir papoter, récupérer des ressources. Et l'objectif après, c'est Fort Worth. Ça, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Si on veut vendre et tout, faut qu'on retourne ici. Hein. Le camp des fondateurs, il est détruit. Il y a plein d'avoir d'opportunités. Donc, on va s'arrêter là, comme je le disais, pour cet épisode. Maintenant qu'on sait qu'on est sauvé, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.